Bien bonjour tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous les amis? Avant de commencer cette petite vidéo que vous avez pu voir sur du coup les pompiers sur Farming Simulator 2017. Vidéo un peu particulière, c'était à vous toutes et à vous tous, vous remercier pour les 1000 abonnés, ça fait énormément plaisir. C'est un travail de longue haleine qui a été fait pendant ces 1 an du coup de la chaîne quasiment. Donc merci à vous du coup. Pour le coup, j'ai sorti une petite vidéo pompier pour vous remercier, parce que je sais que vous êtes aussi friand des pompiers. Je compte en refaire un tout petit peu plus sur le 17. De la nouveauté arrive aussi sur le Farming 2019, donc restez bien attentifs. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications, de vous abonner et de partager. Bonne vidéo à vous. Donc du coup, on se retrouve ici les amis dans la petite remise. Donc c'est la grande caserne, mais vous savez que dans cette grande caserne-là, il y a deux remises. Celle avec les engins du coup FPT, EPA et tout ça, et vous avez l'autre petite remise pour tout ce qui est VSAV et véhicules sanitaires. Moi, par question de pratique, au niveau de cette vidéo là, j'ai préféré prendre la petite remise en vous mettant donc du coup le VSAV, la VLI, le FPT, du coup le VSR est parti en inter et le PA. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est quand même beaucoup plus esthétique pour cette petite vidéo là, il n'y a pas énormément de véhicules, donc c'est pour ça que je voulais faire dans cette petite remise. A savoir qu'ici c'est quand même plus la remise sanitaire, donc tout ce qui est véhicule de secours à première personne, VSAV, voilà, les VL, le véhicule médecin, si, etc. Mais en tout cas voilà, pour cette petite vidéo là, j'ai préféré du coup la faire ici. Allez, on se retrouve dès qu'on a une intervention. Et du coup les amis, on est parti. On part du coup pour la VP. Du coup on a demandé un petit renfort du coup VSAV vis-à-vis de l'accident qu'il y a eu. Donc le VSR est déjà sur place et nous du coup on prend départ aussi. Hein. VSAV 01 du coup prend départ pour assistance du coup au niveau de l'accident, au niveau de l'entrée sud du tunnel de Maltix. Et est-ce que nous on va passer ici? On devrait pouvoir passer. Hein. Et du coup, moi je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pompier pour, au lendemain du coup des 1000 abonnés. Je me suis dit allez, il faut qu'on reprenne un peu tout ça en main. Et on va le reprendre très sérieusement en main. Et bien évidemment, il y aura aussi des nouveautés eh bien sur le 19 aussi, parce que c'est quand même aussi un joli petit farming. Donc du coup, on va faire un peu d'une pierre deux coups. SAV 01 du coup arrivé sur place. Hein. Donc c'est un car qui a tapé le terre-plein. Je sais pas où on va se garer nous. On va se mettre ici à l'arrière. Hop. Allez, je vous laisse descendre, prenez le sac PS du coup. Allez. C'est tout bon, allez on y va. Je vous laisse y aller. Salut chef de groupe, du coup, je t'écoute pour le petit brief du coup. Du coup qu'on a une personne du coup qui est déjà évacuée, ok. Et on a une autre personne. Ok d'accord. Écoute, nous on va prendre la personne qui est en train d'être évacuée à la rigueur. On fait juste un échange de brancard. Ça nous déjà on la ramène. Attends, j'ai ramené le VSAV ici déjà. Hein. Vas-y. Je vais ramener là. Ok, du coup, il n'y a que deux blessés. Ok, d'accord. La chauffeuse de bus sur le brancard, ok. Et ça, c'était le deuxième pilote du bus. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais laisser le VSAV 02 s'en occuper à la rigueur.
Ouais, ce sera plus simple. Ouais, je vais déjà la transporter à l'hôpital, la madame. Allez. Je la prends du coup en. Sur le, je l'emmène sur le brancard. Hein. Ok, allez. Du coup, tu peux la mettre dans le VSAV 01, hein, celui-là qui est juste en face. On va la transporter du coup à l'hôpital de Maltixin. Et hop, on prend la feuille. C'est juste à côté. On a une voiture qui brûle au niveau du concessionnaire. FPT01 du coup s'engage du coup sur le feu au niveau de la concession Citroën Police Nationale déjà sur place. Alors, l'ampoule du FPT a grillé derrière, hein, c'est tout à fait normal. J'ai oublié qu'il y avait des travaux ici. C'est pas grave. Allez, on est reparti. FPT01 du coup arrive sur place. Hein. C'est pas ici. Allez, on est parti les gars. Bon, là, je refroidis encore un peu. Hein. Prends la relève. Ok, vas-y. FPT01 du coup, on a réussi à faire éteindre la voiture au niveau du garage Renault. On procède juste aux dernières petites vérifications avec le thermomètre thermique du coup. Pour voir qu'il n'y ait pas encore de partie brûlante de la voiture. Ouais, on est avec la caméra thermique, hein, pour info, pas le thermomètre, la caméra thermique. Hein. Bon, elle a bien brûlé quand même. Hein.